Hey tout le monde, comment ça va? Salut les ponies, salut les kamikazes, c'est Mathizo. Aujourd'hui on se retrouve pour cette partie numéro 2 de ce Wolf Trug sur Wolfenstein 2009. Je précise bien 2009 parce qu'il y en a qui confondent avec un autre Wolfenstein comme Wolfenstein 3D. Zerbit, alors, suivez-moi, je vais vous emmener à la planque du cercle Krasao. Caroline vous y attend. Ça fait mal. Donc normalement d'ici là quelques... Ah c'est bon, ça peut se casser au moins le verre ici. Quelques améliorations à la carte ont été amenées puisque bien sûr j'ai pu réussir à sauvegarder. Et en plus comme nous allons aller dans un endroit où il y a des nazis, et ben on va pouvoir explorer de nouveaux niveaux. Donc je me rappelle plus très bien s'il y a beaucoup de nazis par ici. On va faire gaffe. Il n'y a pas de temps à perdre. Que vous faites là? Je cherchais le zeppelin. Qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Bon, j'ai sauvé la vie au moins à lui. Mais quel ingrat. Ok, ça sert à rien. Je suis un attardé mental. Je frappe tranquillement dans une caisse comme ça. Non, faudrait essayer de grimper un de ces jours. Donc attendez, avant d'aller faire un petit tour par là, nous allons faire un tour par ici, voyez-vous. Non, on peut entrer ici. Non, on peut pas. Allez, on va voir Caroline Baker. Bon, j'espère qu'on aura le temps de faire la prochaine mission en entière, car je la connais, la prochaine mission, elle est très très voilà longue. De la planque du cercle Krasao. Entrez, Caroline. Laissez-moi juste récupérer quelques trucs. Donc pour pas que je sois coincé, je vais essayer de ruser Coyote. Voilà, ici par exemple. C'est bon l'argent. J'aime ça l'argent. L'argent virtuel bien sûr, t'as cru quoi toi? Voilà. C'est verrouillé ici. Je vais juste revenir en arrière 2 secondes parce qu'il fallait que je récupère un petit truc. Donc on nous ferons 30 minutes de vidéo car oui j'ai oublié de vous le préciser, mais quelques personnes m'ont dit à plusieurs reprises que les vidéos étaient beaucoup trop longues et je le conçois parce que 20 minutes c'est le temps maximum hein, donc 40 minutes c'est beaucoup trop long après, donc c'est pour ça que je ferai comme ça ainsi. Alors non, on peut pas tout casser ici. Grenade. Ah, il croyait se cacher hein, ce document. Ben non. Bon, j'irai faire peut-être un tour au marché noir avant de partir, hein, le temps d'optimiser. Ou au pire, je ferai ça en revenant. Vous savez quoi, on a tout notre temps. Allez. Salut mon pote. Vous avez eu du mal à nous trouver? Non, sans blague. Moi, bon, je suis très ironique à ce sujet, mais bon. Faut pas rigoler parce que c'est pas tout le temps facile de tout trouver dans ce putain de jeu. Ah là là, ce jeu c'est une vraie merveille. Alors, moi je trouve personnellement que c'était une claque graphique pour 2009 quand même. Ouais, je crois que c'est ici si je me rappelle bien. Voilà. Bon, les grenades c'est pas ce qui manque. Allez, on va voir Caroline Baker. BJ, je vous présente Caroline Baker. C'est elle qui dirige le cercle Krasao. Agent Blaskovitch, le cercle Krasao vous remercie pour votre aide à la gare. Mais nous ne pouvons pas vous aider. Nous devons libérer Eisenstadt. Oh, il n'aura pas besoin de nous, Caroline. Je l'ai vu à l'œuvre. Je crois que ce serait un allié de choix. Laissez-moi en juger. Si c'est vrai que vous cherchez le général Zeta, il a été vu pour la dernière fois sur un site de fouilles près de la ville. L'endroit sera très bien gardé. Nous ne savons pas ce qu'y font les nazis. Vous perdez votre temps, ils vous abattront. Mais si vous insistez, j'ai marqué le site sur votre carte.
Ok, alors on va voir où est le site. Ok. C'est carrément... Bah ok, ça a carrément libéré une entrée. Hein. C'est-à-dire ça a débloqué des portes qui étaient normalement verrouillées, d'après moi. Suivez-moi, Jean Blaskovitch. Il va sur le site des fouilles. Ok, vieux. Ouais, ici ça aurait été ouvert. Donc ça va un peu se la fight parce que. America est ici! Voilà, t'es mort toi! Merde, j'arrive pas à envoyer grenade, je sais quoi déjà? Allez, trop vite, tout spawn de pute! Ah merde, par contre c'est un peu fort. Dans ton cul, vieux! On va pas aussi facilement. Allez, you die. Ouais. Quelle grenade? Celle-là, tu parles? Ah, regardez. Y'a plus personne. Ils sont trop lol les nazis dans le jeu. Ils sont complètement attardés mentaux. Désolé mais à chaque fois que je vais envoyer une grenade, j'y arrive pas parce qu'en fait, soit ils sont trop loin, soit j'ai pas le temps. C'est logique hein. J'ai besoin d'un tir de suppression parce que je suis con. Ah tiens déjà un message, attendez. Attendez, je reviens dans 2 secondes. Désolé de la coupure les amis, mais apparemment j'avais quelques trucs à ranger. Attendez. Est-ce que vous croyez que je suis un franc tireur? Non. Dans les burnes. Bullshit, mes gueux. Par ici! Abattez-le! Allez, allez, allez! J'ai besoin d'un médecin! You die! Hop là! Ah non, merde! Allez, hop là! Un de plus! Baissez-vous à terre! Pas le derrière! Pas encore aller dans les conduits, je m'en rappelle plus. Les médics faisaient le malin. On ira faire les égouts une autre fois. C'est pas trop pour moi les égouts. Avancez! Putain mais ils vivent encore hein, même s'il y a plus leur... ils ont plus leur PV. Oula, faut pas que je sorte là. Ça va, t'as eu ta dose? Bon maintenant tu la fermes, please. J'aime pas t'entendre gueuler. Ouais. Bon, il aurait peut-être pu passer par derrière mais bon, on s'en fout. Alors, allons à l'étage. Non, j'adore faire ça en fait. Bon allez, on va faire cette mission car nous sommes déjà presque à 10 minutes de vidéo et je connais la mission donc elle est vraiment longue. Au pire je couperai la vidéo. Non, pas de sac d'or.
travailler pour le marché noir? Pitié, dites à Anton que je le paierai. Il aura tout ce que je lui dois, c'est juré. Il fallait bien que j'achète de quoi manger. Je mourrai de faim. Mais moi, je m'en bats les couilles que tu crevais de faim. Oh, mais moi, je veux du fric. Allez, je défenestre tout, moi. Allez, fermez la bouche. Alors, c'est ici, normalement. Vous allez sur le site des fouilles, hein. Ce camion va justement y faire une livraison. Montez derrière et planquez-vous. Pas tout de suite, mon bro. J'ai un truc à récupérer, c'est là-bas. Hop là. C'est parti pour le site des fouilles, car c'est cool, le site des couilles, et c'est cool le site des fouilles, parce que c'est bon les couilles. Non, je déconne en fait. Ah là là, sacré site des fouilles. Sortez-moi d'ici. Les nazis vont venir me tuer. Mais je pourrais être un nazi. Vous êtes Béji Blaskovitch. Je sais tout sur vous et votre mission. Qui es-tu, petit? Je suis Sergueï Kovlov, membre de l'Aube d'Or, un groupe d'érudits qui étudie les sciences occultes. Je suis venu ici récupérer un artefact. Mais les nazis m'ont capturé. Ils m'ont torturé et j'ai craqué. Je leur ai dit où était le médaillon Toul. Le médaillon Toul, hein? Un artefact d'une valeur inestimable qui se trouve dans une salle un peu plus loin. Écoutez, BJ, vous devez les arrêter. Si les nazis mettent la main sur ce médaillon, tout est fini. Très bien, petit. Reste ici, je vais m'assurer de ta sécurité. Merci, agent Blaskovitch. Remercie-moi après. C'était pas censé être marrant, en fait. Ouais, toi, ta gueule, t'es muet. Ça, c'est mieux, par contre. Allez, c'est la one shot. Avec un peu de discrétion, ça devrait passer cet épisode. Ah là là. N'empêche, faut avouer que la bande son de ce jeu est énorme. En mode militaire, c'est trop cool. Hey, il a gueulé. Grenade, tirez-vous! Eh merde, ça va péter. Voilà, c'est mieux comme ça, pour plus de précautions. Hein. Bon bah maintenant que je suis récupéré, t'en fous de la merde à mort. Il faut avouer que les grenades elles ont une portée géniale. C'est à dire par exemple les grenades vous pouvez les envoyer à 50 km elles reviendront à 100 km. Retour à l'envoyeur dans le jeu c'est trop bien. Voilà. Donc c'est assez dur à expliquer mais bon, vous avez quand même pu remarquer que les grenades que j'ai envoyées, les ai envoyées à une distance mais incroyable. Regardez comme là par exemple. Là par exemple je me suis fait buter et c'est moins cool. Voilà putain. Allez, charge dernier point de contrôle et tu la fermes le jeu. Allez, bla, passez à la cinématique. Allez, on récupère tout ici.
c'est sûr qu'on vous crevez parce qu'en fait vous devez récupérer tous les loots que vous avez pris en chemin après. Vous devez tout récupérer, re-récupérer pardon, et c'est assez galère. Hein. Quand vous savez pas où c'est, hein, donc... plus personne, ok, bon bah c'est bon, comme ça moi vous me ferez pas chier. Tiens, les gens ils me font chier. Allez, plat. Non, ici il n'y a pas de sac d'or parce que moi j'ai une l'or. Bon, allez, c'est parti. Je sais pas, mais faut quand même voir que la bande son elle a de la gueule. Hein. Pour moi, elle est géniale. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise dans pas mal de vidéos cette bande son. On dirait Indiana Jones maintenant le jeu. Ouh la merde, il y a les mages. Il y a les scripts, les scribes, pardon. C'est les attardés mentaux là qui font des incantations bizarres. Au juger, cette arme, elle est trop bien. T'es pas mort, salope. Ah non, dans le jeu, il y a le démembrement. Non, pas maintenant. Yep. Et tout le monde s'éclate. Que je récupère quelques loot et c'est bon. Ouais. Non, je vérifie juste un petit truc. Hein. Vous avez trouvé le médaillon Toul? Ouais, il est là. Donnez-le-moi. Les nazis sont bientôt là. Désolé, je veux d'abord en savoir plus sur l'Aube d'Or. Mais les nazis! Très bien. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Tenez, avec ça, vous pouvez nous sauver. J'ai déjà vu un truc comme ça. Agent Blaskovitch, le cristal que je vous ai donné a submergé d'énergie le médaillon Toul. Autrement dit, l'a activé. Entre la dimension du soleil noir et la nôtre. Dans le voile, vous allez plus vite et vous voyez les points faibles de l'ennemi. Utilisez à nouveau le médaillon pour sortir du voile. Vous pouvez entrer et sortir à tout moment du voile grâce au médaillon. Mais votre énergie est limitée, aussi ne la gaspillez pas. Entrez à nouveau dans le voile et cherchez une mare de lumière. C'est de l'énergie du soleil noir. Entrez dans la mare et rechargez votre médaillon. Aux créatures qu'on appelle les Geist. Ils peuvent s'énerver et vous attaquer. Derrière moi, il y a un passage fermé par une porte du voile. Cette matière solide disparaît dans le voile. Les nazis savent fabriquer ces portes, mais vous pourrez les identifier grâce à leur symbole très particulier. Suivez ce passage et trouvez le cristal Narzone caché au cœur du temple. Avec ce cristal, vous pourrez vous servir du médaillon comme d'une arme. D'autres cristaux vous donneront des aptitudes supplémentaires. Je vous dis tout ça parce que les nazis ont parlé d'un portail trouvé lors des fouilles. Vous devez utiliser le médaillon et les arrêter. Ok, cool, bro. À la planque de l'Aube d'Or à Eisenstadt. Elle est indiquée sur votre carte. Bonne chance, agent Blaskovitch. Ok, décalage. Donc, ok, donc vous pouvez constater que les portes avec un petit soleil dessus, ou les endroits avec un soleil dessus, c'est les portails pour le soleil noir.
Donc ça, faut pas du tout le refaire parce qu'après les gars ils peuvent m'attaquer, ça c'est relou. Ah merde, ils ont un scribe. Faut d'abord s'occuper du scribe et après la ramener. Oh là là, c'est dommage, regarde, le scribe est mutilé. Ah là là. C'est vraiment relou ces gens. Allez, on grimpe tout en haut, il y a peut-être un truc à prendre là-haut. Non, on ne peut plus. Ah là là, c'est magnifique. Donc désolé, j'ai confondu avec une autre mission en fait. Cette mission, c'est pas la plus longue, j'ai confondu avec la ferme. Hop là. Die. C'est marrant hein. Et voilà. J'adore dans le jeu, je peux recharger en courant. Non, on peut pas passer par là. Donc là, bien sûr, vous pourrez upgrader le médaillon dès que vous en aurez les capacités. J'adore la magie noire. Livre de power. I got a power. Bon, on va pas trop gaspiller son énergie de voile. De viol. Mon énergie pour te violer. Bien sûr, vous pouvez pas du tout la faire infiltration, vous êtes obligé un jour ou l'autre de crever. Ça, par exemple, c'est relou. J'observe tout parce que des fois, je peux louper des trucs. Hein. C'est vrai que ce jeu, je l'ai pas recommencé depuis un bon bout de temps. Donc, c'est normal que je connaisse pas toutes les cachettes. Hein. Oh là là. Attendez, mon portable s'est éteint et c'est relou. Voilà, donc on est déjà à 21 minutes de vidéo, donc on va essayer d'un peu de s'activer. Hein. La loupe, bah truc, bah rapute. Attendez, je suis à combien de Intel alors? Renseignement, 5, 3 sur 6. Ok, donc non, non, je dois confondre avec l'endroit parce qu'à un moment je croyais que j'en avais loupé un. Qui était normalement tout en haut d'un... Comment on appelle ça? D'une caisse, au début normalement. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Ah, il s'est fait avoir. Ah, je suis un putain de gros troll, moi. Mais bientôt plus d'énergie du soleil noir. Ouais, y'en a un qui... Tiens, un cadeau. Cadeau, c'est gratuit. Regarde. Normalement, le cadeau était gratuit. C'est pas la peine de m'en renvoyer un autre. Et tu veux jouer à ça, pauvre crétin? Il est pas sûr, le mec. Ah, il est là. Aidez-moi! Abusé! Vous avez vu? Il a niqué pourtant. Alors, chargez les derniers points de contrôle. Ah, oh, mais ils abusent les gens là. Moi, heureusement que je respawn ici. Allez le chauve, maintenant t'es mort, maintenant tous tes potes vont crever aussi.
besoin d'aide, mon pote? Eh ben non, t'en auras pas. Attends, on va juste grimper ici pour s'assurer qu'il n'y en ait pas d'autres là-haut. Ça va, allez, mode soleil noir. Donc là, normalement, c'est. Là, c'est le truc pour arrêter le temps sur normalement celui-là. Faut dépêcher Carlos, ça va céder. Là le pour arrêter le temps. Salut les potes, je viens prendre une douche avec vous. Allez, recommence. Donc en fait ici c'est les épreuves du temple. Hop là, like a boss. Bon, ça c'est les escaliers invisibles, hein. Toujours intéressant à savoir. Voilà, moi j'aime l'or. Donc là, ça va être une épreuve où le pont va s'écrouler, mais il va ralentir le temps. Un petit tour ici ne ferait de mal à personne. Ah, j'adore les mares de lumière. Ouais. Crever, you die, nigga. Ah, nouvelle arme. Juste prendre un peu de lumière. Allez, il est où le fifou, faut qu'il me tire dessus. Voilà. Ok. Ouais, bon, on va enlever la le. Ouais. Ah, oh, c'était une pioche. Bon, on va lever le soleil noir car ça doit un peu vous saouler normalement, soleil noir avec toutes les lumières qu'il y a. En fait, j'ai un lit, c'est trop marrant. Bon, allez, on se casse. Là.
Un dernier enseignement. Vite, tu as un ennemi avec. Et hop là, un plus. Oula. C'est mauvais signe tout ça. Bon, on allume tout le monde là. Trois la mort, j'ai bien un sachet d'or. Juste voir combien il me reste de trucs à prendre. Renseignement. Ah merde, il me reste un truc d'or et. Oh là là, bon, pas de chance. Allez, on y va. Sur les conseils du cercle Kraizo, j'ai visité un site de fouilles entreprise par les nazis à la recherche du général Zeta. J'y ai découvert un jeune prisonnier russe, Sergei Kovlov. Il est membre d'un groupe appelé l'Aube d'Or. Il m'a indiqué une salle abritant un médaillon semblable à celui que j'avais trouvé sur le Tirpitz. J'ai également découvert un portail de pierre démonté que les nazis avaient déterré. J'ignore à quoi il sert, mais je pense qu'il a beaucoup d'importance pour Zeta, et donc pour moi. Ok, donc on a gagné... Ah, le fusil, le quart de fuite, ok. Oh. On a gagné pas mal de trucs. Non, je pense qu'on va s'arrêter dès qu'on revient au temps de chariot. BG, oh, vous êtes vivant. Rentrez vite pour tout raconter à Caroline. Hé, hey, là-dedans, sortez, vous êtes fermés. Et bah c'est sur ce les amis que ce mec va se faire buter, mais bon. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos sur Suivez-vous de Peace, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Sur ce, bye bye.